l'angoisse d'être au monde saisit l'homme et il en sort l'art. Il en sort la religion, il en sort l'art, il en sort la connaissance. Donc il en sort un récit qui est censé rabaisser le niveau d'angoisse individuel et collectif. Pour que le récit nous sorte de l'angoisse d'être au monde, il faut qu'il présente une cohérence. Parce que l'angoisse, elle vient du fait qu'il n'y a pas de cohérence et qu'on est saisi d'un vertige qui peut être vraiment mortel, enfin d'un très grand malaise à être. Saisi de ce vertige, il faut qu'on se rattache à quelque chose, à un point fixe. Le premier point fixe qui nous vient de l'observation du monde, c'est l'invariant cosmique dans l'hémisphère nord, l'étoile polaire. Dans l'hémisphère sud, ce sera la Croix du Berger. Là, il y a un invariant. On peut raccrocher notre récit à quelque chose qui est stable. Et donc notre angoisse, notre vertige, si on s'ancre, on ancre le récit sur l'étoile polaire, eh bien notre récit va tourner autour d'un point fixe. Alors ça donne encore le tourbillon, mais ça commence à s'organiser. Pour que vraiment on soit dans un univers stable, il faut que ce tourbillon qui est cette façon de tourner autour d'un point fixe, il faut l'organiser en créant, en trouvant un autre point fixe terrestre, de telle sorte qu'autour de cet axe entre les cieux et la terre, le récit puisse s'organiser d'une façon beaucoup plus rassurante, d'une façon cyclique, de telle sorte que tout est prévisible, parce qu'autour de l'axe étoile polaire, son équivalent invariant terrestre, là, on va pouvoir organiser le récit. Sur ce vaste territoire, disons du Languedoc, ou de façon plus restreinte du Vivarais-Velay, l'invariant terrestre qui répondrait à l'invariant cosmique, c'est le mésin, parce qu'il émane au mésin une puissance tellurique qu'on ne ressent pas de la même façon ailleurs.